Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Fricom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver facilement et rapidement un produit gagnant, un produit winner, en bref, un produit qui se vend pour votre business dans n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique. Pour cela, on va utiliser notre outil favori, Ads Club. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram 100% gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces pour que vous puissiez cartonner dans vos business en ligne, notamment en prix ton demande qui est mon business favori. Si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre. Alors, ceci étant dit, passons au vif du sujet. Comment pouvez-vous trouver un produit gagnant? Vous le savez, si vous avez déjà des business en ligne, la clé pour vendre, c'est d'avoir un produit qui se vend, un produit qui plaît à vos prospects, un produit qui répond à une demande. Le plus compliqué quand on se lance, c'est vraiment de trouver ce type de produit, puisque si on fait la promotion de produits qui n'intéressent personne, on ne fera pas de vente. Et si on fait de la publicité payante, pour des produits qui n'intéressent personne, non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on perd de l'argent et on perd également la confiance en soi, on se décourage et on finit par abandonner. Le Saint Graal, du coup, c'est de trouver rapidement des produits gagnants et pour ce faire, on a développé cet outil Ads Club qui vous permettra de débusquer toutes les publicités en cours sur Facebook, donc Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads et YouTube Ads. Ainsi, vous saurez tout de suite ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et vous saurez tout de suite dans quoi vous lancer, dans quel domaine vous lancer. Quel que soit votre business, prix ton demande, dropshipping, affiliation. Donc, admettons que l'on soit en dropshipping. Et bien ici, si vous allez sur e-com plateforme, vous allez mettre Shopify. Donc moi, c'est ma stratégie préférée. Vu que 80% des dropshippers utilisent la plateforme Shopify pour vendre leurs produits, je vais tout simplement mettre Shopify ici. Et ça va me ressortir toutes les publicités qui passent par Shopify dans un pays donné. Donc si je vais mettre ici la France, je mets donc la France et je clique sur chercher. Et voilà, ensuite je vais trier par like, c'est ce que j'aime faire. Donc vous pouvez trier par like, par commentaire, par partage, vous pouvez trier également par nouveauté pour voir ce qui vient de sortir. Vous pouvez trier également par longévité, puisque plus une publicité dure longtemps et plus ça signifie qu'elle est rentable. Donc moi je vais trier par like ici, vous pouvez mettre une rangée de likes, donc minimum 1000 likes, minimum 100 000 likes, etc. Je clique sur chercher et voilà. Et là, je trouve tout de suite des idées de business. Donc, admettons que vous souhaiteriez vous lancer en dropshipping, mais que vous ne savez pas sur quelle niche vous lancez, vous ne savez pas quel produit vendre. Et bien, la meilleure chose à faire, c'est de d'abord voir ce qui fonctionne et de répliquer ce qui fonctionne en ajoutant votre touche personnel. C'est aussi simple que cela. Plutôt que de vous dire, ok, je vais me lancer sur telle niche et ça va fonctionner, ça va cartonner, il vaut mieux regarder ce qui fonctionne déjà et puis répliquer, comme je vous le disais. Donc là, on a des produits intéressants, des produits dont on n'aurait même pas pensé, comme ici on a une litière pour chat, ici on a un produit pour tailler la barbe. Donc ça, effectivement, je sais que ça se vend bien, ce type de produit. Voilà, et donc du coup, si on remonte en haut, ici, on voit une publicité qui semble intéressante. Il s'agit de Montessori Family qui propose du coup une tour d'observation pour enfants. Donc ça, c'est un produit qui cartonne. Enfin, du moins, les produits Montessori, ce sont des produits qui cartonnent. C'est pour la pédagogie des enfants, l'éducation des enfants. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que ça cartonne. On a plus de 28 000 likes ici. Quand vous voyez une publicité qui vous intéresse, un produit qui vous intéresse, vous cliquez ici dans Ajouter aux favoris. Comme ça, vous pourrez le retrouver ici dans vos favoris. D'accord? Sur le point d'interrogation, vous pourrez trouver tous les détails de la publicité. Alors, vous avez le texte publicitaire, d'accord? Vous avez la vidéo publicitaire ici. En faisant un clic droit, vous pourrez enregistrer la vidéo, la récupérer à votre compte, mettre votre logo, faire ce que vous voulez avec la vidéo. Donc, vous avez le texte, la vidéo, vous avez également le ciblage. Ici, on voit que ceux qui ont répondu présent à cette publicité
Ce ne sont pas les femmes, grande surprise, ce sont les hommes. D'accord? Donc le travail, il vous est mâché. Ici, on a donc la tranche d'âge et on voit que l'écrasante majorité des personnes qui ont acheté sur cette publicité, fait qui achètent sur cette publicité, ce sont les 20-24 ans et les 25-34 ans. Autrement dit, si vous voulez lancer une publicité sur ce produit, vous devez viser les 20-34 ans. Pas en dessous et pas au-dessus. D'accord? Voilà, donc comme ça, vous savez tout de suite ce qu'il faut faire. Ici, on a l'URL. Voilà, donc la page de vente. Alors ici, on a un site qui est 100% axé sur les produits Montessori. Et on a la page de vente que l'on peut récupérer. Ce qui est bien avec ce type de produit, comme vous le voyez, c'est que ce sont des produits qui se vendent très cher. Du coup, vous avez besoin que de peu de ventes pour générer beaucoup de chiffre d'affaires. Avec 5 ventes ici, vous avez déjà plus de 1000 euros de chiffre d'affaires. Alors que si vous deviez vendre des bijoux, il vous faudrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ventes pour pouvoir générer un chiffre d'affaires intéressant. Alors qu'ici, ne serait-ce qu'une vente par jour, en fait, vous êtes déjà à 250 euros de chiffre d'affaires par jour. Cela vous fait plus de 6000 euros par mois avec une seule vente par jour. Donc c'est quand même très intéressant en sachant qu'ici on a un produit qui vraisemblablement est un produit winner. Maintenant que nous sommes sur la boutique en question, on va pouvoir espionner cette boutique, voir comment est-ce qu'elle fonctionne avec le plugin Commerce Inspector qui est gratuit. Vous allez pouvoir trouver plusieurs détails sur cette boutique. Donc si vous avez Google Chrome, vous pouvez l'installer gratuitement sur votre navigateur. Et ensuite, quand vous arrivez sur un site Shopify, vous pourrez l'espionner facilement. Ici, on a donc le thème qui s'appelle Fastor Fashion 10. On voit que la boutique a été lancée en 2019. Et nous sommes en 2021, donc ça fait 2 ans que cette personne génère du cash avec sa boutique. Ça fait 2 ans que cette personne a arraché sa liberté financière. En termes d'applications, on voit la plupart des applications qu'utilise cette boutique. Donc pas toutes les applications, mais en tout cas, vous avez une idée des applications qu'utilise cette boutique. Et puis maintenant, vous avez déjà une idée de niche. Donc si vous ne saviez pas quoi faire en dropshipping, maintenant, vous savez quoi faire. En tout cas, si cette niche vous intéresse, vous savez quoi faire. Et d'expérience personnelle, je peux vous confirmer que cela se vend. Évidemment, pour vendre un produit aussi cher que cela, il vous faut une boutique qui soit vraiment professionnelle. Et là, vous avez l'exemple même d'une boutique professionnelle. Ça fait 2 ans qu'elle tourne, 2 ans qu'elle génère du chiffre d'affaires, 2 ans qu'elle génère de la confiance auprès de ses prospects. Donc vous, de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais vous avez une idée de ce que vous devriez faire si vous voulez générer des ventes. D'ailleurs, on peut même faire une boutique en version améliorée puisque c'est difficilement lisible et pourtant ça se vend. D'accord? Donc vous pouvez faire mieux de votre côté avec un peu de travail puisque malheureusement, il faut travailler dans la vie. Mais au moins ici, vous avez une direction. Dans quel sens vous devez aller si vous voulez vous lancer en dropshipping et générer des revenus rapidement en dropshipping. OK? Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent utiliser notre outil Ads Club, en cliquant dans la description ci-dessous, vous aurez le lien pour obtenir une licence d'utilisation à vie et illimité sur notre outil Ads Club. Il n'y a aucun abonnement à payer. En revanche, les licences sont limitées puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à notre outil. Et encore une fois que vous avez votre licence, vous l'avez à vie. Voilà. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.